Depuis tout petit, j'ai une passion qui ne m'a jamais quitté, celle de divertir les gens. Que ce soit en créant des spectacles en tout genre, des fausses émissions télé, des parodies, des courts-métrages, des clips vidéo, des musiques, des soirées à thème et, un beau jour, des vidéos sur internet. J'ai toujours continué de divertir, mais cette fois-ci, c'était plus seulement pour mes parents et mes amis. On était 10, puis une centaine, puis des milliers, puis plusieurs centaines de milliers, et c'est là que nos chemins se sont croisés. Moi, Théo, qui habite dans une toute petite ville du nord de la France, je me suis toujours donné les moyens d'entretenir cette passion et de la partager avec ceux qui en avaient l'envie. Sur internet, vous m'avez vu grandir, évoluer, dans mes amitiés, mes rencontres, mes créations. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. On ne se connaît que sur internet, mais à travers mes vidéos, vous avez pu voir cette passion que j'ai pour le divertissement. Je vous ai emmené avec moi faire le tour du monde des meilleurs parcs d'attractions, des maisons hantées les plus flippantes, des destinations horrifiques en tout genre, des spectacles ou encore des expériences immersives. J'ai grandi, et une idée est devenue de plus en plus mature, divertir, mais non plus à travers un écran, en vrai. Nous voilà en 2018, quatrième année des Vlogtobre, où j'ai pour tradition chaque année de parcourir le monde avec ma caméra à la main en quête d'aventures halloweenesques. À ce moment précis, je me suis dit que ma passion pour les aventures, c'était cool à regarder en vidéo, mais que c'était encore mieux à vivre en vrai. Et j'ai connecté ça à l'un de mes plus grands rêves de gosse, ouvrir mon propre parc d'attractions. Alors oui, c'est ambitieux et on n'en est pas encore là, mais j'ai réfléchi et une idée est apparue. Ouvrir temporairement un lieu de divertissement à Paris, qui est ma ville depuis ces dernières années, pendant le seul mois d'octobre 2018, pour que vous puissiez vivre ce que j'avais la chance de vivre chaque année, c'est-à-dire des rires, des peurs et de l'aventure. Je voulais réaliser ce projet, mais sans connaissance ni moyens, j'ai été confronté au pas de géant qu'il y a entre une idée et la vie réelle, surtout pour ouvrir uniquement pendant un mois. J'ai donc décidé de voir encore plus loin, et cette idée, j'allais la réaliser pour de vrai, mais pour tout le temps. J'en ai parlé autour de moi, et avec un ami de lui aussi passionné, on a décidé de réaliser ce projet ensemble. Cette personne, c'est Adrien, peut-être que vous le connaissez sous son pseudo de DJ Adrien Thomas. On a donc allié nos compétences et nos expériences pour créer ensemble un endroit de divertissement inédit. 2 ans plus tard, en 2021, après beaucoup de réflexions et de prises de risques, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture prochaine de... Deep Inside, la cité des martyrs. Sous terre, personne ne vous entendra hurler. Vous imaginez même pas à quel point je suis heureux de vous annoncer ça, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Vous vous posez sûrement la question, c'est quoi Deep Inside? Bah c'est un escape game, un théâtre immersif et un centre de divertissement à Paris. Vous allez pouvoir venir vous faire peur, vous amuser, vous divertir, vous émerveiller, en famille, entre amis, avec vos parents, vos potes et peut-être même vos collègues. D'ailleurs, c'est le seul et unique escape game au monde à se situer 30 mètres sous terre à Paris. Si vous connaissez pas l'escape game, bah ce sera l'occasion de venir tester et de découvrir, et si vous connaissez, bah vous risquez d'être plutôt surpris. Parce qu'en fait, ça ressemble un peu à aucun autre. Gros point d'honneur, c'était de réaliser quelque chose qui correspond à mes attentes en tant que joueur en fait. Et j'en ai fait tellement des escape games, j'en ai fait plus d'une centaine. J'en ai fait en France, un peu partout. J'en ai fait aux États-Unis, j'en ai fait en Belgique, j'en ai fait en Angleterre, j'en ai fait partout. Je partais en vacances, j'en ai fait plein à Paris, bah presque tous à Paris. Et j'ai tellement fait de parcs d'attractions, tellement fait de maisons hantées, tellement fait d'événements, de divertissement, de théâtre immersif et d'expériences un peu comme ça en tout genre, que déjà j'en suis passionné, et c'est que surtout, tellement ça me passionnait, j'avais envie de le faire aussi à mon tour et de créer moi mon univers, tout ce que j'avais pu voir partout dans le monde, j'avais envie de tout regrouper ça en un seul endroit et puis de le faire un peu à ma sauce. Et ce sera le but ici, c'est qu'on va pas à partir du principe que vous avez une heure pour sortir d'un endroit, ça va être un escape game un peu 3.0, complètement immersif, où vous allez être en plein cœur d'une vraie aventure. Et puis voilà, on a voulu avoir des décors géants, plusieurs comédiens, faire plein attention à plein de détails extrêmement peut-être anodin pour certains joueurs, mais pour nous voilà, qui sont primordiaux, et on a poussé le détail vraiment ultra loin. Donc peut-être vous vous demandez, c'est sympa là, mais quand est-ce qu'on peut venir? C'est prévu pour le deuxième trimestre de 2021, et ça va se passer à 30 mètres sous terre, sous Paris, dans la Cité des Martyrs. Je vous en dis pas plus, vous allez en savoir petit à petit sur cette Cité des Martyrs, qui est un endroit assez peu connu des Parisiens. Je vous l'ai dit aussi, mais ce sera également un théâtre immersif, puisqu'il y aura de l'escape game, mais pas uniquement. Il va y avoir d'autres expériences qui arriveront par la suite, et franchement, ce que je peux vous dire,
Bah, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais ce que je peux vous dire, c'est que certaines expériences, faudra vraiment s'accrocher. Vous me connaissez, hein. Mais j'ai aussi quelque chose d'autre à vous annoncer. Prochainement, vous allez pouvoir découvrir toute la création de ce projet. Je vous ai filmé les deux dernières années de ma vie, et ça sera très bientôt dans une série sur ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai absolument tout filmé, depuis les premières étapes, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'ouverture. Tout ça, j'ai tout filmé, tous les ressentis, les échecs. Les peurs, les rires, les rencontres, enfin j'ai tout filmé, tout ce que en fait je vous ai pas dit depuis ces deux dernières années et que je vous ai caché et difficilement, bah, ce sera tout dans cette série, donc ça sortira très bientôt, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant, c'est en cours de production. L'ouverture du site et de la billetterie c'est prévu d'ici quelques jours, donc en attendant suivez-nous sur les réseaux sociaux de Deep Inside, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, vous connaissez, on vous donnera les plus d'infos là-bas et aussi on vous dévoilera les thèmes des deux premières aventures sur nos réseaux sociaux. En attendant vous pouvez déjà vous rendre sur le site qui sera en barre d'infos, vous écrivez votre adresse mail et vous validez, vous vérifiez dans votre boîte mail et vous validez votre inscription. Une fois que vous serez inscrit, on vous tiendra au courant du coup de l'ouverture de la billetterie et surtout peut-être qu'aléatoirement certains d'entre vous recevront des invitations pour venir tester en avant-première, qui sait, avant l'ouverture, l'une de nos deux aventures. Donc voilà, je vous conseille d'aller mettre votre adresse mail si vous voulez avoir un peu d'exclus et peut-être avoir la chance de venir ici gratos et de tester. Mais surtout, pensez bien à vérifier votre boîte mail, hein, parce qu'il y a une double confirmation, c'est pour éviter que n'importe qui puisse entrer votre adresse mail et puis recevoir plein de spam. Donc voilà, en gros, allez sur votre boîte mail et confirmez, et vous allez pouvoir recevoir des mails par la suite. Et puis bon, vous vous en doutez, mais on est présent un peu partout sur Google, TripAdvisor, tout ça. Donc quand vous serez venu ici, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis, parce que déjà c'est cool et puis ça donne envie aux gens de venir. Et surtout ça nous aidera à nous référencer, parce que voilà, hein, vous connaissez un peu internet et les réseaux sociaux, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Mais par contre, vous donnez un avis que quand vous êtes venu, hein. On est bien d'accord sur ça, voilà. Et puis s'il y en a certains d'entre vous qui avaient suivi la petite énigme en ligne que j'avais fait il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être compris, mais il y a une personne qui avait inscrit son mail au moment de l'énigme qui sera tiré au sort et qui pourra venir ici gratuitement tester une des deux aventures. Donc voilà, si vous étiez présent sur l'énigme, regardez bien vos mails et puis vous recevrez peut-être une surprise. Franchement, je vous ai caché tellement d'indices depuis toutes ces années, que ce soit dans des vlogtobres, dans des stories, dans des vidéos, vraiment partout. Et en fait, vous avez rien vu. Donc du coup, j'ai trop hâte de pouvoir bien vous montrer à quel moment vous étiez au courant du projet, mais sans le savoir, parce que franchement, c'était sous vos yeux, mais vous avez vraiment rien vu. Trop hâte de vous accueillir, trop hâte de voir vos réactions, trop hâte de vous voir vous amuser. Et puis c'est le début d'une nouvelle aventure pour moi, un peu d'une nouvelle vie. Et puis vous vous en doutez, mais j'ai envie de vous dire que l'aventure commence !